Eh bien, salut tout le monde, c'est Black Rider. Et salut à tous, ici c'est Red Zone. Fatal. Salut à tous, c'est Red Zone avec Black Rider derrière la caméra, vous ne le verrez pas pour cette petite annonce avant l'épisode. C'est pour vous dire que nous sommes encore vivants mes chères victimes. Sur ce, c'est pour vous dire qu'au Polymanga de Montreux, nous serons présents, masqués évidemment. Oh putain, ça rime! Nous serons là samedi ou dimanche, donc si vous venez, faites-nous un signe de vie, comme ça on pourrait nous décider sur le jour, car moi je veux samedi, lui il veut dimanche. Si vous nous faites signe de vie, bah ce serait cool, et plus on est, plus on rit, hein. Sur ce, bon épisode! Yo à tous, c'est Red Zone. Eh bien, salut tout le monde, c'est Black Rider. Et aujourd'hui, mon cher Red Zone, nous nous retrouvons sur Slender Flashlight. Eh oui, encore un épisode pour vous, mes chères victimes. Ok, je l'avais dit, je voulais plus de Slender. Mais bon, on a vu des photos et il a l'air plutôt pas mal, en fait. Exactement, donc on s'est dit, on va faire une petite exception. On va refaire un Slender. On va mettre Classic Slender, parce que là, il y a le mode Classic Slender, le mode sans lampe de poche, le mode les jumeaux Slender, et le mode Cauchemar. Mode Cauchemar. Mode Cauchemar. Donc, Rider, on se retrouve dans une forêt. Encore une fois. Les graphismes sont bizarres. Oula, ça rame. Ça rame. On revient tout de suite, on va juste baisser... baisser la qualité, hein. Allez, à tout. Voilà. Deux petites minutes encore. On revient. Nous sommes de retour. Ouais. Avec notre petite caméra qui n'a bientôt plus de pile, apparemment. Ah ouais, merde, il y a de la batterie, putain de merde. Ouais. Putain, je sais pas si c'est le jeu qui a été fait comme ça, mais quand on marche, j'ai vraiment l'impression qu'on est sous une quelconque drogue. Putain, ça continue à bugger. Ouais, je pense que t'as raison, il faut que tu mettes... Il faut que je mette une sensibilité. On repart encore une fois, désolé. Ok, alors, on vient de réapparaître, on a réapparu dans une église, et en face de nous, nous avons Stefano. La statue culte de Amnesia et de PewDiePie par la même occasion, je sais pas s'il faut la prendre. Non, il faut pas. Non, mais je voulais juste... Ta gueule. Ok. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça continue à bugger. Je crois que ce jeu est vraiment, 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 vraiment buggé, mon cher Red Zone. On peut rien faire avec, il est juste en mode clin d'œil. D'accord. Bon, bah... Non, ça le fait pas. Bon. On revient. Oh là 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 là. Putain, ça continue à bugger. Youpi. Ouais, non, je pense que... On va changer de jeu, je pense, non ? Ouais, c'était un petit clin d'œil. Bon, bah, mes chères victimes, on est désolés. Hein. Ouais, on va changer de jeu. Sur ce, 3, 2, 1, à toutes! Donc, on se retrouve sur Fabricant. Un jeu qu'on a trouvé au bol sur Internet, entre 2-3 sites de porn. Donc, je sais que ça fait un peu moche de passer à Slender à un amateur de jeux vidéo. Exactement. Mais je pense qu'il va nous plaire. Hein. Il va faire l'affaire, je pense. Ouais, c'est une bêta au passage, c'est une bêta. Play beta, c'est parti, mon cher Red Zone. Ah, la pétasse. Oh, loading, ok. Non, c'était vulgaire. Complètement. D'ailleurs, retire ce que je viens de dire au studio. Hein. Ouais, je retire ça, t'inquiète pas. J'ai menti, bitch. Donc, our traducteur. Mai 1954. Don't approve the couple hours of human live in the charity thing. I've done a big mistake accepting the bet. It was only my ever. Ok, bon, donc on est très con. Et on nous a payé 700 balles pour visiter une usine abandonnée. My friend said that the best interest in the factory is through the tunnel and their match the building. I've always been scared of tunnels and sewers. Ok, il va falloir qu'on rentre par un tunnel. Et on est effrayé des tunnels. On est effrayé? Des tunnels, ouais. Nous sommes tunnelophobiques. C'était nul! Complet!
Fabre. Abicor. L'écran il est coupé, je sais pas trop pourquoi. Abicor. On est con, hein. On nous donne $700 mais chaque victime pour visiter une usine abandonnée. C'est quand même pas mal. Ah, franchement, c'est vraiment stupide, mais bon, je sais pas si moi je l'aurais fait personnellement, pour 700 balles. Si elle était hantée, je serais rentré. Si elle était hantée, je pense que je serais pas rentré, mais juste abandonnée, ça m'aurait pas fait chier. Bon. Utilise la souris pour regarder autour. Oh, la sensibilité est. Ouf. Eh, on a. Ok. C'est pourquoi ça? Alors, pour interagir avec les items, les portes et tout le reste du bordel. Ok, donc. C'est pas. C'est parti. On va voir derrière. Il y a une porte à côté. Pour l'ouvrir. Graphismes... Ah, on peut ouvrir la porte. Ah non, on peut pas. Bon bah, fuck it. Oula, la sensibilité est... Oh, t'as vu ? Oh merde. Recule. Ok, le jeu commence bien. Il me suit ? Non, retourne-toi. On va lui parler ou on fait quoi ? On va lui parler. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Yo. Ok. Yo. Il a disparu. Oh merde. Oh. Il y avait quelqu'un. Effrayé par de l'eau. Ça c'est fait. Et on peut pas passer. On peut pas passer. Bon bah tant mieux. Ouais. Oh putain, qu'est-ce que j'ai flippé ma race. Alors la porte. Bon, elle est fermée. Et... Ah non. Oh yes. Oh si si. On va essayer de passer par-dessus l'eau peut-être, éventuellement, ou de boucher le toit avec. Ok, on va le faire alors. Okay, attendez. C'est parti. Alors. Vas-y. Bon, au moins, on lui bloque le passage. Au moins ça. Ça, c'est vraiment une technique. Bon, vas-y, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors, on va toujours pas passer cette porte à la con. Ah, mais on est passé par là, en fait. Et... Ok, on est passé à travers les barreaux. En fait, nous sommes une anguille. Ouais, mais c'est... ça veut dire quoi, ça? On sait rien. Qu'on est bloqué? Temporairement, mon cher Redzone, temporairement. Il doit sans doute y avoir une clé, quelque part. Voilà. Ouais. Évidemment, si Ryder ne met pas la torche pour qu'on voie quelque chose... Ouais, si tu déplaces les caisses absolument partout... Ok, une clé. Ah, ça a fait du bruit quand on a pris la clé. On a de l'huile là-haut, il nous en reste 6 sur 100. Ah ouais. Il va falloir qu'on retrouve de l'huile, donc le marteau ne sera pas utile, marteau. On peut pas le prendre. Ouais, mais on voit rien là. Ah si, moi j'arrive à voir. Plus ou moins. Là, il y a une vanne. Là. Ah, là, il y a une vanne. Ouais. Ah, t'as raison. Là, c'est pour le couper l'eau. Ouais. Eh ben, Redzone. Attends, le tourne. Le marteau. Le marteau, on peut pas le prendre. Il est juste là pour faire moche. Je vais taper. Bon. Ah, ok, il y a des flocons de neige. Hein? Non, mais tu sais, quand tu éteins de l'eau, ça devient de la neige, en fait. C'est pour ça, c'est... Bon, d'accord. Ok. Ah, voilà. Attends, on a bientôt plus d'huile, mon gars. Ok. On a plus d'huile. Et... Pouf, on a plus d'huile. Bon, okay, là, il y a une... Toujours à droite. Ouais, toujours à droite. Là, il y a des caisses, elles serviront à rien. T'en fous des caisses, tu t'en fous des caisses. Ok, c'est bon. Il y a une porte. Ah oui, il y a une porte. Ok. Moi je. Je dis on. Voilà dedans. Non, tu as raison, toujours à droite. Mm-hmm. Ah. Oh ah si. La lanterne est pleine. Ok, on va légèrement. Non, ce sera. Ça me rappelle un peu Amnesia. Amnesia, complètement, ouais. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que la barre métallique traverse notre main en fait. Oh le fail. Je crois qu'on est fait en carton. Notre lanterne est pleine. Putain, ce truc là est une source d'huile à l'infini. Ok, d'accord. Quand tu cours, ta lanterne elle s'éteint. D'accord. Cul de sac. Oh, la remarque de Kikoulol. J'adore. Un petit ourson trop chaud avec un petit cœur, tu sais. Mais non, mais ça veut dire quoi en fait ça? J'en sais rien. Bon, on reprend un peu. On reprend de l'huile. De l'huile. Ok. Bon, Voilà. Mais là, je comprends pas. Attends, on a trouvé un ours. Un ours. Et maintenant, faut qu'on fasse quoi? Attends, on va retourner là-bas. Et on peut pas traverser le mur. Ah. Ok. Attends. Bon, c'est bon, on va essayer de retourner en arrière. Parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Et je vois pas pourquoi là on le ferait pas. Peut-être on a loupé un truc vu qu'on avait plus de lanterne. Donc, effectivement, peut-être. Puis effectivement. Le marteau. Le marteau, oui, pour péter le mur, t'as peut-être raison. Attends, c'est quoi ça?
Oula. Oh. Ah bah franchement, il faut toucher à tout, hein, mes chères victimes. Hein. Ah vraiment là. Ça m'a l'air un peu pervers tout complètement. Ça. Complètement. Moi j'aurais une idée, on va chercher un peu d'huile avant. Exactement, t'as complètement raison, Red Zone. Ouais. Sur ce, c'est parti. Ok, parfait. C'est parti, Red Zone, c'est parti. Donc avec ça, on rien faire, ça rien du tout, c'est juste des trucs pour porter les torches. Ok, c'est donc aussi. C'est juste du décor, on va dire. Fait marrer parce que on a une lanterne et tout, mais. Alors, l'heure est passée, mais je suis toujours en train de marcher. Je me demande si je vais finir ces tunnels. Je suis vraiment effrayé. Quand j'étais en train de marcher dans ces tunnels, j'ai entendu des voix et des sons étranges. Quelque chose ne va pas dans cet endroit, mais je n'abandonne pas maintenant. Le voyage ne fait que commencer. Traducteur 2014. Oh, merci. Merci à Ryder et son intelligence. Oh. Bon, il y a un truc là. Ah non, j'ai cru que c'était le poof. Oh, temps pour s'échapper, 56-55. Putain, vite, faut qu'on court. Ouais, non, mais on s'en fout du baril, faut qu'on se casse. Ouais, mais attends, mais on se casse où? J'en sais rien, droit devant. Oh, Ryder, là, ça craint. Ça craint complètement, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a des secondes pour s'échapper. Il faut pas qu'on en perde une miette, mon ami. Putain, j'adore, j'ai allumé la lampe de poche, enfin la lanterne, et... mais c'est quoi? Un baril qui... Putain de baril à la cour, c'est dégage. C'est bon. Ok, on s'accroupit, accroupit. Ah, mais j'essaye. Putain. Allez, mais accroupis-toi, face de bête. Ah, voilà. Ah oui, magnifique. C'est sûr, quand on appuie pas sur le bouton, Ryder... Bah, ils ont pas lancé les touches, hein, j'ai dû... droite. Droite. Droite, comme d'habitude. Putain, j'adore, on a la lanterne sous l'eau. Cool. Oh non, cool, vite, de l'autre sens. Blablabla. Oh. Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Putain. Enfin, qui vibre. Blablabla. Non, on va mourir. Bon, on pouvait lancer des objets. Ah bah, c'est maintenant qu'ils nous le disent. Quand on est vers la fin, là, on est mort, hein. Oui, non, mais... Ils nous disent, ouais, en fait, vous deviez prendre des objets puis les lancer dessus. T'es prêt, Red Zone? Ah, je suis prêt. C'est parti. Alors. Ok, go. Donc, on peut prendre et jeter les objets. Ouais. Alors, je crois que c'était la salle... comment on dit déjà la salle parallèle, fallait prendre les trucs puis les balancer dessus. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé ici exactement? Enfin, je veux dire... What? Ok. Magnifique. Ok, on se casse. On se casse. On se tire. Est-ce qu'on prend droite. Voilà, on va prendre les trucs qui sont ici, et on va les balancer dessus, c'est ce qu'ils avaient dit. Enfin, je crois, on va essayer. Ah ouais, t'as raison. Mm-hmm. En plus, c'est des jerrycans explosifs, mais bon, ils sont transparents, donc voilà. Ouais, c'est y a aucun... Mm-hmm. Y a aucun problème là-dessus, voilà. Ils sont transparents. Hein. Alors, drag throw machines... quoi? J'ai pas eu le temps de voir, en fait. Qu'est-ce qui... Bon, c'est trop tard, il nous reste 12 secondes, là, c'est bon, on va couler. Ah là ouais. Ok, magnifique. Vite. Vite. Oui. Allez, on peut le faire. Là, 3, 2, 1. Oh, yes. Oui, oh, ouais, Red Zone. Si. C'est bon. J'ai enfin trouvé la sortie du tunnel. Ok. Yo, j'aime pas ces bruits, Ryder. Ah, moi non plus. Là, ça pue vraiment la merde. Bon, c'était juste des bruitages, on a rien à craindre. Damn. Alors, 1000 ans de chargement plus tard. Ah, nous voilà. Ah. Donc là, on est où? Dans l'usine. On est dans l'usine là. L'usine transparent? Ah non. Exactement. Oh, putain, on dirait que les murs ils ont donc été. On... Attends, mais on va pas trop s'extasier dessus parce qu'on a pas beaucoup d'huile. Et. Ouais, bon. Encore le marteau. Il nous suit. Ah, on peut le prendre cette fois-ci. Ok, vous avez ramassé un marteau. C'est l'usine. J'entends des bruits là-dedans. Moi aussi. Tu crois qu'on peut rentrer par effraction avec le marteau? Faut prendre le marteau, mais je sais pas comment me prendre le marteau. Moi aussi. Y a pas un inventaire dans le coin? J'ai une seconde. Clique rien. Rien du tout. Ok. Bon, on a un souci, on n'arrive pas à prendre le marteau qui est dans notre poche. Je crois qu'on a un tout petit peu... Triso. complètement. Bon, Ryder, attends, prends ce marteau. Mais je peux pas le prendre, ils nous ont pas indiqué les touches pour le prendre, ce putain de marteau. C'est... Attends, ils avaient pas dit pour... Ah. Oh. Ouais, voilà, les clés sont dans la grange. Exactement. Ouais. Il doit forcément y avoir un moyen. Il y a quelqu'un là-dedans qui crie.
Ouais. Qui gémit plutôt. Je suis sûr, il y a un truc autour de la maison qui en fait est là pour nous troller. Regarde par le trou pour voir si on voit quelque chose. Ok, y a rien pour l'instant. Ça c'est le truc à ne jamais faire dans les films et les jeux d'horreur. C'est... Exact. Attends une seconde, je crois qu'il y a quelqu'un d'un côté. Regarde par le trou. Regarde. Mais si on allait. Oh là, c'est. Si tombé. On se séparait. D'accord, j'ai pas tout à fait compris. Mais bon, c'est pas grave. De l'huile. Attends, bon, on sait jamais. On sait jamais, hein. Comme ça, si on a envie de s'enfuir, on est bloqué. Alors, de l'huile. De l'huile, mon cher Edson, de l'huile. Ok, parfait. Ding. Alors. Je sais pas. Ah, je pense qu'il faut le défoncer. Effectivement. Oh, il y a une clé. Oh. Bah, t'arrives pas à la prendre. Ah, parfait. J'ai vu une échelle à l'instant. Oh. J'ai cru voir quelque chose. C'était Michael Myers. Tu sais, le gars avec le couteau, là. Vas-y, reprends de l'huile. Putain, il y avait un être humain, on est d'accord. Ouais, il y avait quelque chose. Putain. On n'arrive plus à le prendre, maintenant on est devenu moins chaud, c'est pas trop pourquoi. Oh, ok. Yo. Oula. Putain, c'est quoi attends, ce bordel? Il y a une échelle, il y a une échelle, il y a une échelle. Ah oui, t'as raison. Mais. What the fuck? Moi je me suis dit, ok, il y a une échelle, on va passer sur le toit. C'est non, on la prend dans notre poche, elle aussi, gégé. Ok. Bon, Ryder a une échelle dans sa poche. Voilà, c'est ça. Vas-y, on n'arrive pas à balancer. Je suis sûr, on peut l'ouvrir ce machin. Mais comment? Ok. Bon, on laisse tomber. On prend de l'huile puis on va vers l'usine. Hein. Voilà, votre lanterne est pleine, attends, il y avait un truc là. Ouais. Bon, on laisse tomber. Ok, on s'en balèque. Un truc de malade. Ok. Alors dans ce jeu, quand on court, notre lanterne elle s'éteint. Et c'est vraiment trollesque tout ça. Oula. Ah oui, c'est vrai, on a récupéré la clé, c'est vrai. Évidemment, c'est obligé de faire. Abusé. Oula. On peut m'expliquer pourquoi on a mis une montagne ici? Ah. Ok. Ah, t'as sorti l'échelle. De ma poche, comment ça se fait? Fouah. Yo, Ryder, j'ai une échelle. Ouais. Oh, mais comment tu fais? Là, on est dans l'usine, alors. Exactement. Oula, il y a un dessin, là. Ouais. Ok. Je pense avoir vu... Ouais, c'est ça. Attends, il y a un petit mot, là. Il y a un petit mot de papier. Alors, voyons voir... Alors, je ne sais pas comment faire. Tout ce que je fais, c'est des travaux de merde, on va dire ça comme ça. Mon usine est en train de rompre. Bref, elle arrive en faillite et tout ça. Mais c'est marqué quoi? It seems the history tends to repeat itself. On dirait que l'histoire est en train de se répéter elle-même. Il y a plusieurs années, en 1892, the previous owner, l'ancien propriétaire et le gars qui avait donc créé l'usine went back up of the debt and committed suicide. Bref, l'ancien proprio s'est suicidé, exactement. Ok. Il y avait quoi avec la chandelle là? Il fallait le tourner, je crois. Ouais. Oula. Oh putain, red zone, c'est médium. Ok. Non mais, tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on vient de faire là? Je crois qu'on vient d'ouvrir là. Attends, c'est quoi ça? Oh. Ah non, on vient d'ouvrir ça en fait. Ok, d'accord. Donc il faut une clé pour rentrer là-dedans. Pour entrer là-dedans, ouais. Ok, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Merci d'avoir payé la version bêta de Fabricant. J'espère que vous avez kiffé ce jeu. T'imagines pas à quel point on l'a kiffé. Non, il est cool, il est cool. Franchement, il est stylé. J'espère qu'il sera gratuit. Hein. Ouais. J'espère que la bêta sera gratuite. On viendra pour chercher le. Enfin, vu que la bêta est gratuite, j'espère qu'on viendra pour chercher le reste du jeu. Voilà. Franchement, moi j'ai bien kiffé le jeu. Hein. La même. Mais moi je trouve qu'il est bien fait. Enfin ouais, il est intéressant. Hein. Très, très. Bon, sur ce, mes victimes, c'était un épisode pour vous. Sur ce, les victimes. À la prochaine. Ciao, ciao. Oh,